נזכה בעזרת השם כולנו לחתם בספר החיים והשלום, שהקדוש ברוך הוא ישמור את חיילינו מאותם מכל צער ומצוקה ומכל נגע ומחלה, וישחרר את כל החטופים בריאים ושלמים לביתם. Nous allons à partir de demain soir, l'artom pendant 10 jours, Hamelech Hakadosh, Hamelech Hamishpat. Alors c'est une question maintenant qui revient de plus en plus puisqu'on s'en approche. Et comme vous l'avez bien entendu dans plusieurs shiurim, toute la signification de la Teshuvah de Rosh Hashanah est reliée au fait que, en tant que peuple, sur la terre d'Israël, nous devons faire passer Hakadosh Baruch Hu de l'état de divin, de Dieu, à l'état de roi. Ce qui fait que si on ne le fait pas, lo yatsanu yedechova, c'est-à-dire on n'est pas sorti de la mitzvah. De pourquoi cette teshuvah précise? Nous avons des jours par excellence où on fait les tachanunim, et là on va multiplier les tachanunim pendant les 10 jours. Pourquoi? Parce que si on avait fait d'Hachem notre roi, on n'aurait pas pu fauter, car un roi vit parmi son peuple sur sa terre. On se sentirait dans une proximité beaucoup plus rapproché, beaucoup plus surveillé, beaucoup plus intime. C'est toute la différence entre le fait de faire de Dieu Dieu et de faire de Dieu un roi. Mazemeshne Ha'el HaKadosh ou Ha'melech HaKadosh. Eh bien, les Chachamim nous font comprendre que si tu as dit Ha'kel HaKadosh, lo yatsa yedechova. Azma wadin, si tu t'es trompé, c'est pour ça qu'on a pris dans un sidour, seulement le Chazan ou le Rav, ou celui qui prierait éventuellement le plus vite, rappellerait de dire Ha'melech HaKadosh. Mais pas comme dans beaucoup de synagogues, on a l'impression d'être chez les frères Badois, là, je sais pas quoi. Ha'melech HaKadosh, Ha'melech HaKadosh, Ha'melech HaKadosh. C'est pas la peine de faire ce genre de choses. D'abord, ça dérange et c'est ridicule. Ça devient complètement ridicule. Pourquoi? Parce que ça y est, on l'a entendu. Zachen Achitov, de prier dans son sidour et de bien mettre le doigt sur chaque mot pour ne pas omettre de dire Ha'melech HaKadosh, Ha'melech HaMishpat. Dans le cas où il aurait omis de le dire, et qui dit, à quel Akadosh, parce qu'il était dans ses pensées, il n'était pas concentré, Torkede, Shalom Alecha Rabbi, s'il a une fraction de seconde en disant un, Hamel Akadosh, Yatsaye Dechova. Et s'il a passé ce temps, et il a commencé à dire, Atar Honen, oh oh, Nigmar, c'est passé à autre chose. Dans ce cas-là, il reviendra à Hachem, Sefatai Tiftar, Ufi Agid, Teilatecha. Il recommencera complètement l'Amida, l'Arzor, les Gamre à l'Amida. Si maintenant il a omis de dire Hamelech Hamishpat, la halakha n'est pas pareille. S'il a omis de le dire, toujours pareil pour le premier, Torkede Shalom Alecha Rabbi, c'est-à-dire le temps de le dire, comment ça prend tant de temps de dire Shalom Alecha Rabbi, on va dire une seconde à peine, eh bien, si il a le temps de récupérer et qu'il dit Hamelech Hamishpat, Yatsa Edechova. Dans le cas où il a oublié de le dire, dans ce cas-là, il ne revient pas au début de la prière, mais il revient au début de ce verset-là, à Shiva Shofetenu Kevarishona. Il revient que sur cette partie-là, il ne revient pas sur Hachem Sefatai Tiftar Ufi Kitelatecha, contrairement à Hamelech HaKadosh. Hamelech HaKadosh, s'il a oublié, il revient au début. Hamelech HaMishpat, il revient à Hashivenu. Si maintenant il est arrivé à la fin de l'Amida, et qu'il se rend compte qu'il n'a pas dit Hamelech HaMishpat, ou Hamelech HaKadosh, Hamelech HaKadosh, s'il est sûr, il revient obligatoirement. Hamelech HaMishpat, il revient Bedin Tfilat Nedava. Il refera l'Amida en disant Arene Mitpalel, parce que j'ai aussi un doute, je ne sais pas vraiment si je l'ai dit ou je ne l'ai pas dit. Il refait l'Amida Bedin Nedava. C'est-à-dire que je refais cette Amida non pas par l'obligation de prier Shaharit Mincha ou Arvit, mais je la fais comme un cadeau supplémentaire dans ma prière, Kede Latset Yede Chova. Alors bien sûr, pour éviter tout cela, soyez particulièrement concentrés dans ces mots-là, et surtout, même si vous les dites, soyez avec ces mots-là particulièrement. Parce que celui qui dit « Hamelech HaMishpat » ou « Hamelech HaKadosh » et qui pense à faire les courses ou qui pense à autre chose, eh bien, il est sorti des Chovas, il a fait la mitzvah avec sa bouche, mais pas avec son cœur. Et comme vous le savez tous, « Rachman Ali Babae », ce que veut Hachem, c'est justement le cœur, qu'on proclame son règne sur le peuple d'Israël, sur sa terre, pour la Géoula finale, en tant que roi. D'où l'expression de Melech HaMashiach. Et comme on l'expliquait en chaud pendant Shabbat, que le but du Mashiach, c'est le chauffard d'Akadosh Baruch Hu. Le but du Melech HaMashiach, c'est de l'amlir et Akadosh Baruch Hu Melech HaOlam. L'achène Bezrat Hashem, de Simulev la Davarazé, de bien le dire, à Ouman, quand on dit à Melech HaKadosh, il y a un tonnerre d'applaudissements. J'ai trouvé ce minhag très bizarre, je vous dis franchement, mais il élève la Neshama à très haut degré.
לכן המלך הקדוש, להמליך את הקדוש ברוך הוא, quand un roi passe et que tout le monde l'applaudit très fort. Bon, les Sfaradim, les Ashkenazim n'ont pas du tout ce minhag, c'est un minhag purement Breslev, j'avais jamais vu ailleurs. Et je trouvais ça bizarre, et à la fin je me suis trouvé moi-même à applaudir, parce que c'est vrai que quand tu parles avec ton cœur, alors tu sors un petit peu de la logique, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, quelqu'un qui veut travailler Hachem, il ne doit pas être trop logique, trop carré. Pourquoi ? Comme le dit le roi Salomon, « Alti chacham nidai ». Des fois dans la vie, il faut savoir un peu se lâcher pour avoir une relation plus humaine qu'une relation robotisée. Et surtout, Bezrat Hashem, qu'on fasse une sincère teshuva, parce que de dire à Melech HaKadosh et de ne rien changer de sa vie, d'être aussi médiocre que l'an dernier, alors franchement, on a dit des mots, on n'a pas fait de lui notre roi. Ce qui compte, c'est l'action et pas simplement les mots. D'accord.